Mai 1968. Les étudiants sont dans la rue et se battent avec la police. Comme une traînée de poudre, la contestation a embrasé la jeunesse. Sortie des universités, elle gagne de proche en proche la société tout entière. En France, la crise atteint un point d'incandescence et d'intensité exceptionnelle. Mais le mouvement ébranle l'ensemble de l'hémisphère nord, de la Californie au Japon. C'est un mélange de radicalisation idéologique, d'aspiration à l'amour libre, porté par des musiques et des propos nouveaux. L'autorité des parents, comme des professeurs ou des chefs, est contestée dans son principe. Une génération revendique le droit de décider de ses choix dans tous les domaines. Les enfants du baby-boom ont 18 ans. Jamais ils n'ont été si nombreux. Avant-guerre, on comptait en France 550 000 naissances par an. Après 1945, elles se montent à plus de 800 000. Et les chiffres sont du même ordre dans tout l'Occident. Ces enfants n'ont pas connu la guerre avec ses épreuves. Ils sont les premiers à recueillir en Europe les fruits d'une reconstruction réussie et, aux États-Unis, d'une prospérité sans faille. Le souvenir des années noires de la grande crise économique s'estompe. Ainsi, à Los Angeles, où vivait la famille de Jeff Jones. Je suis issu de la classe moyenne typique de cette époque, des banlieues de Californie du Sud. Pour ma famille, ça allait aussi bien que possible. Romain Goupil, quant à lui, a grandi en banlieue parisienne. C'était tout à fait agréable, il n'y avait pas de souci principal. On faisait attention, bon, mais sans plus. En tout cas, comme enfant, je n'ai pas de souvenir de discussion dramatique par rapport à un budget, par rapport à l'école, par rapport à un voyage ou un déplacement. Grâce à l'État-providence, les enfants bénéficient d'une sécurité sans précédent. On multiplie les constructions de logements neufs et d'écoles. J'ai grandi sur une propriété à la campagne dans les années 50. C'était un endroit très calme, où il ne se passait pas grand-chose. Le mode de vie y était typiquement britannique et très sage. Il n'y avait pas d'activité pour les jeunes, ils étaient traités comme des enfants. No one starts eating until father has served himself. Let father and mother guide the conversational trend if they desire. After all, they made all this possible. Dans ces sociétés organisées, il n'y a guère de place pour le doute. Les parents sont convaincus de faire pour le mieux en transmettant à leurs enfants les valeurs qu'ils ont eux-mêmes reçues en héritage. Ron Tellin vivait en Californie du Sud. Nixon est venu chez nous. Nous sommes allés l'accueillir à l'aéroport. J'étais l'un de ceux qui devaient lui souhaiter la bienvenue avec mon uniforme de scout, mes badges du drapeau américain et de l'aigle. Un scout devait inspirer la confiance, la loyauté et être prêt à rendre service. Poli, amical, obéissant, joyeux, posé, propre et respectueux. Donc ça vous marque plutôt un jeune de passer par là, pas vrai? Les parents se considèrent comme responsables des actes et des comportements de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils quittent la maison. Au moins jusqu'à 21 ans, chef de famille, cela veut dire quelque chose. Let her bring them home, let her compare them with her own people, and then she'll meet, eventually, the type of man that I'd like her to marry. Les filles sont encore plus contrôlées que les garçons. Carol Kemp, qui a grandi à Londres, dans l'East End, s'en souvient. À 15 ans, j'étais encore une gamine. Je travaillais déjà, mais je ne pouvais pas sortir le soir et je n'avais personne pour venir me chercher. Je sortais avec les garçons de ma rue. Je me souviens qu'on se contentait de se promener dans la rue. Il n'y avait pas beaucoup de boutiques à cette époque. Et quand on revenait chez moi, on s'embrassait vite. Et maman criait « Allez, Carole, c'est l'heure de rentrer !»
À l'époque, le sexe était quelque chose de complètement tabou. Mon père n'a jamais vu ma mère s'habiller. My dad never saw my mum undressed. Ready, gentlemen, on your left foot, ladies on the right. Garçons et filles grandissent séparément. Leurs rencontres sont soumises à des codes sociaux très stricts. Il y avait un endroit qui s'appelait Madame Dion, le cabinet de danse. Quand tu y pénétrais, tu pouvais voir des traces de peinture sur le sol, des noires et des blanches, les noires pour les garçons et les blanches pour les filles. Et tu étais censé faire bouger les pieds en suivant les marques. Il y avait des règles pour tout, et pas question d'y couper. Pour les garçons, le service militaire constitue un rite de passage à l'âge adulte. En obéissant sans discuter, ils sont censés devenir des hommes disciplinés, donc aptes à la vie en société. Now, the whole base of discipline in the army is drill. Drill fosters in you team spirit, alertness, pride in your unit and pride in yourself. Also, it teaches you to obey words of command instinctively and without question. Vers 17 ans, 17 ans et demi, on pouvait partir à l'armée, on pouvait se battre, mourir, mais on n'avait pas le droit de s'offrir une bière. On était trop jeunes. Après 2 ou 3 ans, on était de retour à la maison et on n'avait toujours pas le droit de vote. On n'avait pas le droit de s'intéresser à ce qui se passait dans le pays. C'était vraiment frustrant. Oh, baby, 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 baby. Le premier moyen pour les jeunes de s'affranchir de la tutelle parentale, c'est une musique. Le rock and roll inventé aux États-Unis leur offre un air de liberté. Et ils trouvent amusantes les réticences de leurs parents. It's shocking. I watched him gyrate his legs and swivel his hips. And our parent-teachers group feels he should not be on television. Avec le rock, fini les règles de la bienséance. Martine Algier était lycéenne dans le Michigan. Une fois, un chaperon m'a sorti de force de la piste de danse. Il devait trouver que je m'exhibais trop en dansant, en bougeant mon corps, ce qui était considéré comme très choquant. C'était du genre, « Oh mon Dieu, tu as bougé ton bassin, tu es censé en avoir un, mais pas le trémousser. » Vous n'êtes pas à New York, mais à Paris. Oui, au Golf Drouot, en plein Grand Boulevard, où cet ancien golf miniature est devenu le quartier général du rock et du twist français. Si vous avez plus de 25 ans, je ne vous garantis pas qu'on vous laissera rentrer. Qui trouvait dans le rock, soit en spectateur, un échappatoire à ce qu'ils savaient déjà être une certaine fatalité de leur existence. Hein, une condamnation à ne pas sortir d'un couloir précis et d'un niveau social et économique, ou s'ils en étaient les acteurs, alors une possibilité de s'extraire et de devenir autre chose, de gagner de l'argent, d'avoir accès aux voitures, aux voyages, aux femmes, à la consommation. Il n'y a rien à faire. Tout en étant porteur, il faut être très, il faut pas les mépriser, d'un besoin de s'exprimer et d'un sens artistique, d'un goût. Ils avaient envie de faire ça. Ils ont été portés par ce désir, à mon avis, influencés d'ailleurs en grande partie par le cinéma américain. Hollywood récupère le mouvement, l'exploite et l'amplifie. Le cinéma offre aux jeunes ses premiers héros, façon aussi de canaliser une rébellion. Mais cette révolte ne met pas la société en péril. Même Elvis Presley doit rejoindre la caserne. Elvis Presley no longer has that rock and roll beat. The tempo is 1, 2, 3, 4 for Private Presley. Like any ex-civilian raw recruit, the king of rock and roll will be keeping time to non-hip bugle calls. Le rock a accompagné la génération de la fin de la guerre d'Algérie. Quand on montait la garde le soir devant des immeubles qui étaient l'objet de
sorte d'attentat, ils avaient le transistor à côté, n'est-ce pas? Et on entendait effectivement ce son un peu, le début du twist aussi, ce son tellement détaché de cette réalité terrible qui était à n'importe quel moment, je peux me faire tuer ou je suis peut-être amené à tuer. Cette génération nombreuse constitue un marché potentiel. Les firmes multiplient les produits à leur intention en tablant sur l'autonomie de leur goût. Teenagers, guys and dolls can be trained in a few weeks to earn 8 or 10 pounds a week. The shops know it, so every town has a store with teenage departments, thriving on giving the young people the fashions they demand. The gramophone industry cashes in on the well-off teenagers to some tune. 80% of the disc output is bought by the youngsters. That's 50 million records a year in Britain alone. All industry knows that to please the teenagers is the golden way to big dividends. Pour ceux qui veulent travailler, il y a de la place pour tous et de bons salaires, 6 à 10 fois supérieurs à ceux d'avant-guerre. Les employeurs venaient dans les écoles un peu avant la fin des cours. On pouvait choisir ce qu'on voulait faire. Plombier, électricien, mécanicien, ils étaient tous là et cherchaient des apprentis. C'était facile de trouver du travail. On gagne plus, donc on sort davantage, au café, au cinéma, au dancing. En Angleterre, les teenagers découvrent les discothèques. Ans plus tard, Jeff Numb et les Undertakers sont toujours fidèles au poste dans les pubs de Liverpool. J'ai quitté l'école à 15 ans, mais je savais un peu jouer de la guitare. C'était facile. C'était la seule chose que tous les gosses avaient envie de faire. Cette génération se découvre une idole, le groupe des 4 Beatles. C'était dingue. On ne pouvait même pas les entendre pendant les concerts. On ne faisait que crier, pleurer, se lever, crier à nouveau et agiter les bras. On n'entendait pas une note de ce qu'ils jouaient. On pensait tous de John Lennon, j'aime bien ce mec, je veux être comme lui. C'était un héros. Il était tellement différent avec son costume et sa cravate. Il était tellement différent. Il a façonné notre manière de vivre. Beaucoup ont changé leur coupe de cheveux à cause des Beatles. Donald Newton était à cette époque gérant d'un magasin de disques. Quand les Beatles sont arrivés, j'étais un jeune gérant de magasin. Leur succès a été phénoménal. Les gens faisaient la queue pour acheter des disques. Tout le monde voulait être comme les Beatles. Tout le monde achetait des guitares toutes roses saumon. Les gens se prenaient pour les Beatles. C'était la Beatlemania. Les Beatles personnifient l'aspiration de toute une génération à une nouvelle forme d'indépendance. Les hommes politiques ne sont pas les derniers à s'en rendre compte et à vouloir en tirer parti. Harold Wilson, le premier ministre britannique, s'affiche avec les Beatles. Same goes for me. Thank you very much for giving us this silver heart. But I still think you should have given one to good old Mr. Wilson. It's time to get down and get with it for one of the first teenage magazine programs. A whole scene going. À son tour, la télévision suit le mouvement. C'était comme une injection d'adrénaline. C'était très étonnant à voir, comme dans un film en noir et blanc qui passerait soudain à la couleur. J'avais des mini-robes excentriques. C'était excitant, parce que dans les années 1950, on avait des vêtements raisonnables.
des robes discrètes, et toutes les femmes dans les pages des magazines avaient leurs petites chaussures bien cirées. On portait des gants et des chapeaux. On était des jeunes vieux. La mode, la musique, la radio, l'époque des yéyés commence en France tous les soirs avec une émission culte, Salut les copains. Quand on tournait le bouton pour arriver au rendez-vous de Salut les copains, je crois que c'est à 16h l'après-midi, on avait la première sensation d'une totale décontraction, de la fraîcheur, de la spontanéité, du sourire, et dans la voix, et dans les jingles, et dans les liaisons sonores, et dans les choix de chansons qui étaient des chansons pure distraction de pur divertissement nouveau. Hein. Donc, nouveauté, fraîcheur, décontraction, sourire. Cette génération se reconnaît immédiatement à cette sonorité-là. Très intelligemment, Philippe Aki fait tout de suite des classements, le chouchou, la chanson que tout le monde aime, la nouveauté qui débarque des États-Unis, dont il est sûr qu'elle va marcher, et le fait qu'il la joue fait qu'elle marchera. Parce que c'est un lanceur de tendance inimaginable. Antoine connaît bien aussi l'histoire de Samson et Dalila. Il sait que l'homme tire sa force de la longueur de ses cheveux. Pour renverser les colonnes du temple, il faut accepter de lourdes disciplines. C'est sa façon à lui de porter le casque. Le nez de Cléopâtre, les cheveux d'Antoine, il suffit de si peu de choses, dit-on, pour changer la face du monde. Tout ce qui marchait, c'est ce qui avait été, sinon interdit, du moins tabou, enfin mis de côté. Les femmes ne montaient pas leurs jambes, on les montre. Les hommes portaient tous des cravates, ont des cravates. Ils avaient les cheveux courts, ils les ont longs. C'est-à-dire que ça a été une civilisation et une époque de la société où le contraire s'est mis à dominer. C'est ainsi que, dans son lycée parisien, Romain Goupil refuse de se faire couper les cheveux. On se faisait bloquer à l'entrée du lycée par le censeur ou un pion qui disait « Si tu as les cheveux comme ça, tu rentres pas au lycée. » Donc il fallait être comme des moutons. Et c'était un peu, c'était tout à fait le premier tract qui a été sorti dans le lycée, enfin dans mon lycée. « On n'est pas des moutons, on veut pas se laisser tondre. » À la caméra qui fait office de journal intime, Romain Goupil et ses amis confient leurs doutes d'adolescence comme leur révolte. Devant cette radicalisation et puis cette politisation, plus ils essayaient d'être raisonnables, plus on devenait révolté. Alors là, c'est pas lié simplement à moi, c'était valable pour toute cette génération. Notre âge et notre vivacité et de notre façon de penser, c'est que, heureusement, nos discussions vont porter aussi sur les sorties, les cinémas, les discussions et nos rapports avec les jeunes filles qu'on rencontrait, bien sûr, dans ces activités. La façon de séduire une de ces jeunes filles, c'est justement peut-être de parler de Trotsky et de la révolution russe. La scolarité est de plus en plus longue, les étudiants de plus en plus nombreux sur les campus. On voit apparaître une nouvelle génération, les teenagers, les adolescents. Aux États-Unis, le nombre des étudiants double entre 1945 et 1965. En France, en 10 années seulement, il est multiplié par 4. Partout se construisent de nouvelles facultés pour les accueillir. Pourtant, les autorités perdent la course de vitesse entre le nombre et les capacités d'accueil. Les étudiants américains sont alors les premiers à rejeter le modèle de la société de consommation où ils ont grandi. I want you to make money and go to school, have a nice job. I don't want to have a nice job. I'll do anything as long as I'm happy. Too many people are too materialistic, and they just after the money for it, not necessarily for a job that they're really interested in. Anybody who doesn't have an ideal is never going to do anything or go anyplace.
because how can you be satisfied? See, it's you're constantly changing all the time. You have to have something as a goal. Oh, you'd like to be my father, you'd like to be my dad, and give me kisses when I'm good and spank me when I'm bad. But since I left my parents, I've forgotten how to bow. So when I've got something to say, sir, I'm gonna say it now. Vivian Rothstein déchante lorsqu'elle arrive en 1965 à l'Université de Californie. Quand on arrivait à la fac, on ne comptait plus. Il devait y avoir 20 ou 30 000 jeunes scolarisés. Pendant les cours de psycho que je suivais, il y avait 1 000 étudiants. Ce n'était pas un endroit très épanouissant. Les étudiants les meilleurs, les plus intéressants, les plus intelligents, militaient pour le mouvement des droits civiques. Je voulais être avec eux, leur parler, les connaître. J'étais venue à l'école pour apprendre, et je voulais vraiment apprendre. Chacun s'engage au service d'une cause. Le combat contre le racisme mobilise des milliers d'étudiants qui aident les Noirs à s'inscrire sur les listes électorales dans les États du Sud. Ils découvrent ainsi des aspects de la vie quotidienne dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. On m'avait parlé de discrimination raciale, mais je n'avais jamais vu de famille pauvre à ce point, vivant dans la poussière, dans des bidonvilles. Je n'avais jamais vu ça. Et ça m'a vraiment choquée. Vivian Rothstein et ses amis sont arrêtées et emprisonnées à Jackson, Mississippi. Elles retrouvent la discrimination jusque dans la prison, à l'intérieur d'une cellule réservée aux Blancs. Ça m'a changé la vie d'appartenir à un mouvement tel que celui des droits civiques, avec lequel je me suis battue pour quelque chose de plus grand que moi-même. À ces jeunes gens en quête d'idéal, l'épopée de Che Guevara fournit un héros. Après sa mort, son effigie et son style créent plus qu'une mode. Bien des jeunes s'identifient à son combat car ils y voient une aspiration à plus de liberté, comme Hervé Pernaud. Moi, j'étais engagé. Je n'étais pas du tout dilettante. Je n'étais pas du tout yéyé. Moi, j'étais plutôt accroché à des mythes révolutionnaires. J'ai toujours puisé mes raisons de vivre dans les mythes révolutionnaires issus du XVIIIe siècle. Et je me retrouve plutôt dans la génération romantique, c'est-à-dire une génération bouleversée par la vie politique. Les jeunes Américains ont une raison particulière de dénoncer l'autorité sous toutes ses formes. L'intervention des États-Unis au Vietnam leur paraît immorale parce qu'elle relève du colonialisme. Même ceux qui au début se sont engagés vont progressivement en venir à douter de la justesse de la cause américaine. Ainsi Rusty Sachs qui entre dans les Marines. Je me suis engagé parce que j'avais abandonné mes études. J'étais sans but. La honte de ma famille. Il fallait que je fasse quelque chose pour me rattraper. Rusty Sachs est pilote d'hélicoptère. C'est un si bon soldat qu'on lui confie un rôle dans un film de propagande militaire. I'm Lieutenant Sachs. I'm a pilot here in the Ugly Angels. I've been over here since last August, Operation Colorado. Despite all the killing you find in a war, we save a lot of lives too. That's the main mission of this helicopter. J'étais content d'aller là-bas. Je n'éprouvais aucun fanatisme anticommuniste, aucune envie de faire du monde une démocratie solide. Pour moi, il s'agissait d'y aller et d'être un marine. Il y avait quelque chose de noble là-dedans. Avec l'engagement croissant des États-Unis,
l'armée doit, à partir de 1965, faire appel aux étudiants, ce qui accroît leur hostilité à la guerre. Beaucoup d'étudiants refusent carrément de servir leur pays. Ils se regroupent derrière des associations qui organisent leurs protestations. Nous ne sommes pas peur de risquer nos vies. Nous avons risqué nos vies en Mississippi et en Alabama. Et certains de nous ont mort là. Mais nous ne allons pas bomber les gens, les femmes et les enfants d'un autre pays. On voit même des appelés brûler en public leurs livrets militaires en signe de défi à l'armée et au gouvernement. It's both intimidating and it's also exhilarating because it means that the message of alienation and disagreement and contempt had apparently gotten through. Au Japon, les étudiants manifestent contre les bases américaines. À Londres, l'ambassade des États-Unis est assiégée par une foule qui brûle le drapeau étoilé. En 1965, je descends dans la rue pour lutter contre la guerre du Vietnam. On était absolument écœurés quand on apprenait que ce mastodonte américain voulait écraser ce peuple sous des tonnes d'obus, des défoliants, des produits chimiques, la guerre avec tous ses aspects les plus horribles. Et alors il y avait bien sûr la conscience d'être solidaire des gens du tiers-monde, de ceux qui étaient les plus exploités. Mais aussi, on luttait contre une guerre qui semblait avoir pris les dimensions de la guerre telle qu'elle pouvait être la plus horrible, c'est-à-dire la guerre faite pour tuer des civils. Dans le même temps, se développe un mouvement de rejet de la société de consommation et de ses valeurs. Toute une génération rêve de construire une société qui en prendrait le contre-pied. Les hippies poussent ce raisonnement à sa logique extrême. Faites l'amour, pas la guerre, c'est le mot d'ordre. Et les médias décrivent complaisamment un comportement qui paraît extravagant. L'ancien scout, Ron Tellin, les a rejoints. What is happening here in San Francisco is really one of the only meaningful responses to the war and to the whole shock of the system. This is a meaningful response with alternatives, with creative human energies involved and active and doing things. C'était un rêve, un idéal. On ressentait de l'amour, de l'espoir, de la bonne volonté. On sentait que quelque chose de vraiment positif et merveilleux allait se passer et était en train de se passer dans nos vies. C'est pour ça qu'on pensait que ça pouvait aussi arriver aux autres. San Francisco accueille la plus grande concentration de hippies. Au déplaisir du gouverneur de Californie, le futur président Reagan, qui en fait un argument de propagande électorale. One of them the other day was giving some advice to his companions. He said, you know, your parents take care of you till you're 21, the government takes care of you after you're 65. You've only got 44 lousy years, you got to look out for yourself. This fellow that was doing the talking had a haircut like Tarzan, he walked like Jane and smelled like cheetah. A lot of people say to me, what are you doing? You're not doing any work. But we're doing the hardest work in the world because we're growing. We're trying to change. When I'm on an acid trip, everything seems very much alive, very much full of energy, and very, very beautiful. If you love somebody, and people here love everybody, if you want to make love to somebody, then you should. Well, obviously, everybody's always had sex. Tout le monde était tout le temps en train de faire l'amour. I think more so in the 60s. Pendant les années 60, tu devais te montrer en train de le faire et être bon. La partie de la philosophie était aussi opposée au moteur, aux voitures, à la pollution. On voulait de l'eau propre, on ne voulait pas manger d'animaux et on était viscéralement anti-violent. J'aimais cette opposition à la violence. Mettant en pratique leur rêve de société différente,
De nombreux hippies s'installent à la campagne et vivent en communauté. On se concentrait sur une vision très colorée, pleine d'amour de ce que la vie pouvait être. On travaillait et on jouait ensemble. Beaucoup de jeunes se négligeaient, allaient en haillons, ne savaient pas comment survivre, comment cultiver des carottes, comment construire des latrines, créer des écoles alternatives, et devaient apprendre tout ça. La drogue est une façon de s'évader, et peu de gens se soucient de ses effets. À San Francisco, le commissariat de Ayashbury est spécialisé dans la récupération des mineurs en fugue. The police allege that you were flushing marijuana down a toilet when you were... Man, if that was marijuana, I wouldn't be flushing it down the toilet. Where did you spend last night? That's none of anybody's business, and I won't tell. I won't tell where I've been for the past 2 weeks. Ever. How old are you, Sandra? 14. I've been through this before. I know what they want. They want you unhappy because you can't be happy where you are. That's why we ran away. Seule une minorité de Californiens vivent à la manière des hippies, mais les aspirations qu'ils expriment sont partagées et leur style de vie, leur musique, influencent toute une génération. J'aimais fumer de la marijuana, j'aimais le rock, j'aimais faire l'amour et j'en voulais à la guerre au Vietnam d'accaparer mes pensées, alors que j'aurais préféré faire autre chose. Mais de par la façon dont j'avais été élevé, j'étais obligé de me bouger et de combattre pour défendre mes convictions. Jeff Jones, originaire d'une famille de Quakers pacifistes de Californie, rejoint le mouvement hippie. Avec des centaines de milliers d'autres, il participe à la manifestation de Washington qui, en 1967, réclame la fin de la guerre au Vietnam. Quand on est arrivé au Pentagone, il y avait des milliers et des milliers de gens. Il y avait d'imposantes forces de police. Le gouvernement a finalement dû appeler l'armée à la rescousse pour protéger le Pentagone. L'opposition à la guerre finit par dresser une génération contre toutes les formes d'autorité, universitaires comprises. Un peu partout, les étudiants s'en prennent personnellement aux professeurs et remettent en question le contenu de l'enseignement. On voulait que la société ne puisse pas être ce que nous appelions la société de consommation. Nous voulions que cette société devienne une société où il y ait de nouveaux rapports qui se créent entre les hommes. Et pour cela, eh bien, il y avait la contestation. La jeunesse, moi, je me sentais dans une position où on était extrêmement inhibé, où on avait besoin de liberté. En 1968, la vague d'agitation touche les universités de tous les pays développés. Tokyo, New York, Berlin, Rome, Londres. We have complete control and we will keep it till Sunday so that we can use it for the purposes that we've announced. En France, la fermeture de l'université de Nanterre fait office de détonateur. Après l'irruption de la police dans la Sorbonne et l'arrestation de quelques leaders, leurs camarades s'insurgent spontanément. Au départ, leur hostilité est concentrée sur les policiers. Ce qui était très très étonnant, on a commencé à dresser, dans un premier temps, à mettre des voitures en travers, puis après à trouver des trucs dans les chantiers, à les commencer, et puis à ce qu'on a appelé des barricades, c'est-à-dire à dépaver les rues et à monter les barricades, mais comme ça s'est fait de tradition à Paris depuis très très longtemps. Il se trouve qu'on avait pris des leçons à travers ce qui se passait aux États-Unis, ce qui s'est passé en Allemagne, ce qui se passait en Italie, et là on s'est défendu. On
on espère qu'on va changer la société, mais en même temps, c'est le printemps. Donc, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que, par exemple, quand on débute une manifestation dans Ferrochefraud, on passe à côté de la prison de la santé où sont emprisonnés des étudiants. On crie « Libérez nos camarades », mais en même temps, il y a l'odeur des marronniers, il y a les marronniers en fleurs. Ensuite, après, on atteint le quartier latin et là, on va s'immobiliser pour essayer de débloquer la situation par une épreuve de force en demandant que les forces de police quittent la Sorbonne. Et à ce moment-là, eh bien, ce n'est plus l'odeur des marronniers, mais c'est l'odeur des lacrymogènes. J'ai beaucoup couru, comme tout le monde, parce que quand vous allez voir près d'une barricade, et quand ça commence à castagner et que les grenades lacrymogènes arrivent, vous foutez le camp aussi. Donc c'était physique aussi, j'ai un souvenir très physique, moi, des rues de Paris de mai 68, c'est-à-dire un essoufflement permanent. J'ai toujours l'impression d'avoir à rechercher mon souffle. Et alors, il y a une espèce de solidarité. On a faim, bien sûr, parce qu'on n'a pas mangé, il fait nuit, on a passé les heures du repas. Alors, il y a des gens qui vous offrent des sandwichs, il y a une espèce de solidarité, de fraternité, puis tout le monde parle. Ce qui est extraordinaire, c'est que les langues se délient. Et alors, chacun peut donner son avis, et on a des opinions les plus controversées. Croyant apaiser la fièvre, le pouvoir rouvre la Sorbonne. Les étudiants en prennent possession et la transforme en forum permanent. Pendant des semaines, ils referont le monde. Qui n'était pas dit depuis des années, ça va sortir, et tout ce qu'on veut pour le futur, ça va sortir. C'est-à-dire tous les discours les plus utopiques, les plus fantastiques, révolutionnaires ou peu importe, vont apparaître. Donc une espèce de grand bavardage. Le mouvement étudiant rencontre la sympathie d'une partie de l'opinion qui épouse la cause de ses enfants. S'y ajoute la solidarité des syndicats qui tentent d'exploiter la situation. À leur appel, le 13 mai, 500 000 Parisiens défilent dans la capitale. L'éclatement général de tout le mouvement en France, ça a été surtout les violences qu'il y a eu contre les étudiants. Les violences policières, ça, les travailleurs en général, ils supportent pas ce genre de choses. Le mouvement fait tache d'huile. De proche en proche, toute la France du travail entre dans la grève. Quinze jours après le début du mouvement, la France est paralysée. Il n'y a plus d'essence, plus de transport, plus de voiture, plus rien. Il n'y a plus rien, tout le monde est en grève. Et donc, il y a une espèce de fou rire en disant chacun est responsable de quelque chose. C'est-à-dire, tout le monde a grippé le gouvernement. Les étudiants rêvent d'une communion générale qui créerait une société utopique. Les travailleurs, eux, songent d'abord à leur salaire et à leurs conditions de travail. Quand les étudiants se dirigent vers les usines Renault de Billancourt, lieu mythique de la conscience ouvrière, ils trouvent porte close au lieu de l'accueil espéré. À la radio, on apprend qu'ils se dirigeaient tous les étudiants, le cortège des étudiants. Alors à partir de là, les portes ont été complètement fermées. Les ouvriers se méfient de ce qu'ils considèrent comme une manifestation aventureuse. Le jour après la grève terminée, il fallait bien qu'on retravaille pour nourrir notre famille et puis tout. On ne pouvait pas se permettre de laisser casser nos outils, de destinter nos machines. Qu'est-ce qu'on aurait fait après ? Je ne me retirerai pas. Je ne changerai pas le Premier ministre. Je dissous. La décision du général de Gaulle d'en référer aux électeurs amorce le renversement de la tendance. La partie silencieuse de l'opinion retrouve une possibilité de s'exprimer. À la fin juin, la crise est terminée. Conformément à la Constitution, d'autres voient que le scrutin immédiat du pays, la République n'abdiquera pas.
En juin 68, après le discours du général de Gaulle, quand tout le monde a peur parce que on a la menace de la guerre civile, eh bien, on pense que à ce moment-là, moi je pense en tout cas, qu'à ce moment-là, eh bien, il vaut mieux éviter la guerre civile et que ce n'est que partie remise et que ça a été un préambule et que la révolution va avoir lieu peu de temps après. Any kind of change that's going to mean and have any significance for this country must be done through the ballot box. Aux États-Unis, la majorité des jeunes attend le changement des urnes. Pour eux, Bob Kennedy incarne à la fois la relève de génération et l'héritage de la nouvelle frontière proposée par son frère défunt, John. En 1968, il porte les couleurs du camp démocrate à l'élection présidentielle. À Berkeley, en Californie, les étudiants l'accueillent plus comme like un savior que un politicien. Age est sur son, as well as their side. They feel he's one of their generation. Lyndon Johnson is not. Entre autres, on attend de lui qu'il mette fin à la guerre du Vietnam selon ses engagements. Son assassinat anéantit les attentes de la jeunesse américaine. Avec lui disparaissent les espoirs d'une solution légale et non violente. Pour nous, c'était une question de vie ou de mort. On se sentait frustré, en colère contre la façon dont la société nous considérait. On n'en avait plus rien à faire. À la violence révolutionnaire répond celle de la répression. Une partie de l'opinion est scandalisée par la brutalité avec laquelle la police disperse les manifestants pacifistes lors de la convention démocrate à Chicago. L'enlisement au Vietnam et la montée des tensions sur le campus précipitent la crise. En deux ans, une centaine d'universités se transforme en foyer d'agitation permanent. L'affrontement le plus dramatique a lieu dans l'Ohio, où la garde nationale, envoyée par le gouverneur, ouvre le feu sur les manifestants. Quatre d'entre eux sont tués. Have we come to such a state in this country that a young girl has to be shot because she disagrees deeply with the actions of her government? Des pacifistes comme Jeff Jones en viennent à des solutions extrêmes. Ils lancent ainsi une campagne de destruction des dépôts d'armes. Tant que la guerre au Vietnam allait continuer, on voulait essayer d'empêcher la société de fonctionner normalement. Je ne sais pas jusqu'où cela aurait pu aller, je suis devenu un fugitif. Je vivais caché et j'ai perdu tout contact avec ma famille pendant les quatre dernières années de la guerre. Rien n'a cependant fait davantage basculer l'opinion que l'opposition à la guerre de ce qu'il avait fait. Rusty Sachs, l'ancien marine, pilote d'hélicoptère, était hanté par le souvenir de ce qu'il avait vécu. En 1970, il décrit à la télévision la façon dont il a vu traiter les prisonniers Viet Cong. We had a couple of guys in our squadron. They used to
used to blindfold the guys with safety wire and pull them real tight, so this copper wire is tearing into their eyes and nose, and bind their hands with safety wire. And used to have contests seeing how far they could throw the bound bodies out of the airplane. And, you know, throw one as far as you can and see if you can get the other one farther. Tu as 24 ans et tu reviens de la guerre avec du sang sur les mains et tu n'assumes pas. C'était terrible. Pendant 3 ou 4 ans, je crois que je n'ai pas ri une seule fois. L'expression la plus saisissante de la crise du sentiment national se déroule à Washington en 1971. Les anciens combattants viennent jeter sur les marches du Capitole les décorations obtenues pendant la guerre du Vietnam. Il y avait des lignes de démarcation très précises. Et on disait, nous sommes de ce côté de la ligne, voilà les décorations de pacotille que vous nous avez données. Nous n'en voulons plus. Rusty Sachs as the captain of the Marine Corps. For Captain Roger P. Harrell, United States Marine Corps, the Distinguished Flying Cross. For Major Robert Kramer, United States Marine Corps, who also died needlessly, the Silver Star. And everything else. It was pain. C'était dur, c'était vraiment dur, parce qu'on rejetait des choses qui avaient eu tant d'importance pour nous. Les parents, à leur tour, s'indignent et se mobilisent. We were brought up to never question authority. Isn't that true, people of our age group? And the government was right, and the policeman was right, and the priest was right, and mom and dad were right, the school board was right. Anybody that was in authority knew what was best and how we should think, and they told us how to think. But I never told my dad he was crazy. Shouldn't I let my government know that I think they're crazy? I think they are insane, really. This is an insane thing we're doing. Le retrait du Vietnam, décidé par le président Nixon et effectif en 1973, éteint la cause première de la contestation. Mais il y a d'autres combats à mener. C'est la société tout entière, sa structure et ses mœurs qui est remise en question. Certains s'engagent dans la lutte pour le pouvoir noir aux États-Unis, d'autres pour la protection de l'environnement, la libération de la femme ou la reconnaissance des droits pour les homosexuels en Occident. C'est ainsi, avec cette relève de génération, que se forge une nouvelle culture. Mieux, une culture élargie qui affecte toutes les formes d'expression. La musique, le design, la danse, les vêtements. L'Europe du Nord s'est convertie également à cette société permissive. La législation en prend acte. Les lois sur le divorce et sur la contraception en témoignent. Le mouvement 68, ce ne fut pas seulement une manière d'enrober des états d'âme. À ces sociétés occidentales, travaillées depuis deux décennies par l'émergence d'un nouvel ordre économique et social, il fallait cette rupture de temps où se sont exprimés tous les désirs de l'imaginaire.